En ce temps-là, il y avait encore des arbres verts. En ce temps-là, l'eau pure existait encore. Louis XIV avait Versailles et le prince-évêque de Liège son palais d'été sur les rives riantes d'un grand fleuve au cours un peu désordonné. Puis, de la lointaine Angleterre, des hommes sont venus. L'un d'eux s'appelait John Cockerill. Alors, des hommes noirs sont sortis des entrailles de la terre. Alors, des gerbes de feu, des panaches de fumée ont éclaboussé le ciel. Alors, le cœur de Serein s'est mis en mouvement. Serein, la cité du verre et du fer. Serein-la-Rouge, la deuxième commune de Wallonie, la ville des railleux d'Armat. Travailleur, un mot qui revient souvent dans la cité des bords de Meuse. Travailleur, un mot synonyme de sérésien. Mais cette cité n'est-elle pas la leur? Ne l'ont-ils pas construite? Ne lui ont-ils pas donné une ou mieux sa raison de vivre, sa raison d'être? Serein-la-Rouve, patrie de grands tribuns travaillistes wallons. Alfred Smets, Julien Lahaut. Joseph Merlot. André Renard. Joseph Jean Merlot. Serein-la-Rouve, la cité du travail. La cité où le fer est dompté, mais aussi où le verre oublie ses origines, devient cristal et gagne par là ses lettres de noblesse. Le Val Saint-Lambert est bien situé sur la commune de Serein, et je me souviens qu'un jour, le bourgmestre Merlot nous le disait encore, on oublie trop souvent que Val Saint-Lambert, c'est Serein. Mais les cristalleries sont connues depuis très longtemps. Exactement, quand ont été créées ces cristalleries? En 1825. À cette époque-là, l'abbaye cistercienne qui... toujours ici, dont le bâtiment existe toujours et dans lequel nous nous trouvons, a été racheté par M. Kemelin et Le Lièvre et qui ont fondé immédiatement cette cristallerie. Il y avait un antécédent, M. Kemelin et Le Lièvre et un troisième Français, M. D'Artigue, ensemble avaient acheté et animé les cristalleries de Vonesch. En un petit village dans les Ardennes namuroises. Nous sommes vraiment les héritiers de cette cristallerie. Nous pourrions d'ailleurs remonter encore un peu plus haut en disant que déjà au XVe siècle, la verrerie d'art existait dans nos régions, et plus particulièrement à Liège, au XVIIe et au XVIIIe, où c'était vraiment l'époque alors de la belle verrerie d'art liégeoise. Monsieur le bourgmestre, est-ce que vous voulez nous présenter votre commune? Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici au point culminant de la commune. Ce point culminant permet de découvrir en réalité les diverses caractéristiques de la commune. Je crois qu'il est inutile de rappeler que Serein est très largement influencé par son caractère industriel. Caractère industriel profondément marqué dans la vallée, puisque la commune prend naissance dans la vallée de la Meuse, mais remonte en réalité sur le plateau
dont nous pouvons découvrir les différents aspects ici, pour présenter aussi, paradoxalement que ça puisse paraître, un caractère semi-champêtre au sommet. Et nous avons ainsi une grande diversité, dirais-je, de fonctions et d'aspects au travers d'une commune comme la commune de Srein. Vous êtes également échevin des travaux, et à ce titre, je voudrais vous poser une question. Il paraît que le visage de Srein va, dans un avenir plus ou moins proche, vraiment changer. Nous espérons, en tous les cas, pouvoir modifier certains aspects du visage de Srein. Nous avons en effet une série de projets, de travaux. Ces projets sont de deux ordres principaux. D'abord, des travaux d'infrastructures routières, d'équipements communautaires, et enfin, alors, des projets, je dirais, d'équipements collectifs. Et dans le domaine de l'infrastructure routière, il y a également deux aspects à cette question. D'abord, nos projets purement communaux, d'amélioration de la voirie, réseau d'égouts, problème de l'eau. Et enfin, il y a le problème de la circulation que nous devons traiter en liaison avec le pouvoir central, avec le département des travaux publics. Ici, on peut découvrir l'ampleur du problème et l'ampleur des travaux qui doivent être réalisés. Vous avez d'une part à cet endroit la rue Coquerille qui vient du pont de Srein, qui doit donc, elle, subir un sort qui permettra un écoulement plus rapide de la circulation. Et vous avez, en liaison avec cela, le franchissement de la ligne de chemin de fer à laquelle je faisais allusion. Le premier franchissement du côté du Val-Saint-Lambert est donc cette fois-ci en voie de réalisation, du moins dans le cadre des projets. Et ici, ce passage à niveau doit être franchi par l'intermédiaire d'un passage supérieur qui sera situé au-delà de la gare. Et c'est ce passage supérieur qui permettrait de rejoindre alors la zone, la route de circulation rapide venant d'Ougrée, du quartier des Béguines, tel qu'on l'appelle, et qui rejoindrait par le dessus, par le cœur même de la commune, qui rejoindrait alors le passage à niveau, le passage supérieur du Mani, avec la liaison en plus du pont de Srein vers ce passage à niveau par la route à circulation rapide sur la digue, disons, de la Meuse, qui sera donc construite en encorbellement sur cette partie, disons, de la Meuse. Alors, il y a tout ce que je qualifierais d'équipement communautaire. Dans celui-ci, je veux d'abord parler du volet social. Du volet social, il y a d'abord en construction pour l'instant un centre de santé assez remarquable, avec en outre une nouvelle crèche qui sera une crèche de 64 lits, alors qu'il en fonctionne déjà une de 24 lits dans notre commune. Cette crèche est également en construction, nous pouvons espérer qu'elle sera terminée l'année prochaine. Il y a alors les travaux d'infrastructure sportive. Dans ces travaux d'infrastructure sportive, nous avons un grand projet qui se réalise d'ailleurs partiellement pour l'instant, car au sommet, disons, de la commune, dans la partie boisée pratiquement, nous construisons là-bas un centre sportif assez remarquable qui va comprendre un hall omnisport qui est en train de s'ériger, et en outre, disons, des terrains de football pleins de jeux, mais en outre, une nouvelle piscine qui constituera notre seconde piscine dans la commune, qui sera, elle, une piscine olympique pour laquelle nous avons déjà obtenu l'accord de principe du département de la santé publique. Deuxième aspect, deuxième problème, le centre culturel. Qu'en est-il exactement ? Bien, le centre culturel est évidemment un problème important pour nous en raison de nombreuses activités culturelles qui existent sur le territoire de notre commune, largement favorisées, faut-il le dire et le rappeler, par le théâtre de la communauté, qui fait un effort assez remarquable en la matière. Une dernière question. Est-ce que vous croyez que Srein, c'est-à-dire que la commune, a encore un sens maintenant? On parle d'agglomération, on parle de fusion. Est-ce qu'on est toujours fier d'être sérésien ou est-ce qu'on doit se considérer comme liégeois ou je ne sais pas? Enfin,
Mais je crois qu'on pourrait poser la question aux habitants. Quant à moi, je me sens très fier d'être sérésien. Et je crois que la plupart des habitants sont encore fiers d'être sérésiens. Je pense qu'au moment où on parle d'agglomération, qu'il ne faut pas oublier, disons, la fonction que les communes et le rôle que les communes jouent encore. Car on a beau le dire, le répéter, mais je crois qu'on n'insistera jamais assez sur le fait que ça constitue, cela demeure, une entité à caractère humain. Une entité à caractère humain au sein de laquelle les habitants, les citoyens, peuvent encore se retrouver, peuvent encore vivre leurs problèmes, peuvent encore être en contact direct et par conséquent avoir une compréhension vraiment réelle et concrète sur les problèmes avec lesquels nous sommes confrontés. Et alors à ce titre-là, je crois que ça présente une importance capitale. Cela n'exclut évidemment pas que des problèmes se posent à des niveaux différents de ceux de la commune. Et sur ce plan-là, nous sommes particulièrement conscients de cela et décidés d'ailleurs, pour notre part, pour toutes les questions dont nous sentons qu'elles dépassent le cadre communal, à nous intégrer dans une action d'ensemble basée en fait sur la solidarité de l'agglomération liégeoise. Le temps passe vite, nous a dit un jour Guy Matteau en guise de boutade. Et c'est parce que le temps passe vite que nous avons réuni ces quelques images disparates pour fixer pour les générations prochaines un parcours remarquable. Sous la qui faut voter sur ton pour camarade Matteau. L'arrivée du mailleur de Serein, voici l'arrivée du Bourgmestre de Serein, voici Guy Matteau, Bourgmestre de Serein, qui dans quelques instants va répondre à toutes vos questions. Guy Matteau qui est à votre service 24 heures sur 24. Guy Matteau sort de la voiture, le voilà, il sort, on l'applaudit. Et on lui montre toute l'estime que la population de Serein lui porte. À la Chambre des représentants, Guy Matteau, Bourgmestre de Serein. 1971, Guy Matteau a 30 ans. Déjà bourgmestre de Serein depuis un an et secrétaire national du Parti Socialiste. Alors, cette année-là, il fait campagne pour être élu député national. Tenue de combat, très vite, il va construire sa notoriété sur des poignées de main. J'aime être aimé, oui, sûrement. C'est plus agréable, disons, d'être aimé en tous les cas. C'est ce qui vous pousse à faire de la politique, à chercher une approbation? Non, mais j'aime beaucoup le contact humain. J'ai toujours apprécié cela. Je trouve que c'est dans le contact humain que l'on va trouver finalement, que l'on décèle en fin de compte les problèmes profonds que les gens ressentent. Et alors, dans ces conditions-là, je crois que c'est très utile. Je crois que c'est très utile. En plus de ça, bon, on a beaucoup d'amis. Est-ce qu'on peut aimer la politique aussi passionnément qu'une femme? Oui, sûrement. Oui. Sûrement, peut-être pire. Plus qu'une femme. Oui. Je suis enfant de milieu socialiste, de militants socialistes. Alors, mon père qui était délégué syndical, ma mère qui a été bourgmestre d'une petite commune ici de près de Serein, à Saint-Sevrin, ma sœur qui est de nouveau bourgmestre là-bas, qui a repris la succession. J'ai été nourri de politique. J'ai été nourri de politique, c'est vrai. André Kohls, bourgmestre de Flémal et président du Parti Socialiste, place beaucoup d'espoir en Guy Matteau. Il voit en lui un digne représentant de la Fédération liégeoise du Parti Socialiste. Il en fait son fils spirituel. Pragmatique, au discours facile, Guy Matteau est très vite repéré par les ténors socialistes. Edmond Le Burton est alors Premier ministre. D'emblée, Guy Matteau fait preuve de qualité de tribun et se montre expert dans l'art de retourner les salles. Cerise de prendre une attitude belliqueuse vis-à-vis de ses travailleurs. Nous avons décidé, quant à nous, de donner la liberté de parole à tout le monde.
Et je souhaiterais que d'autres formations politiques puissent en faire autant, car il y en a qui ne seraient pas capables de le faire. En Belgique, tous les mouvements progressistes s'en souviennent. La fusillade de Grace Berleur et l'assassinat de Julien Lahaut ont vivement marqué les esprits. Ces événements seront commémorés dans la région liégeoise par tous les progressistes du pays. En ce qui concerne plus particulièrement le RIF attentat qui coûta la vie le 18 août 1950 à Julien Lahaut, président du Parti communiste de Belgique, les commanditaires n'ont jamais été vraiment dénoncés. Mesdames, Messieurs, nous sommes le 18 août 1950. Et pour ce qui me concerne, j'en ai encore, j'étais à l'époque très jeune, un vague souvenir. L'histoire dit que c'est un beau soir d'été qui accueillait Julien Lahaut rentrant de Bruxelles plus tard que d'habitude. La rue d'Avecqué où il habite, au numéro 65, et calme et paisible. Bientôt pourtant, le drame se joue. Julien Lahaut, qui dîne avec son épouse, est appelé à l'entrée de sa demeure par deux hommes qui donnent une fausse identité. Arrivé à quelques pas de la porte, Julien Lahaut est abattu de trois coups de feu. Il meurt presque sur le coup. La nouvelle se répand à la vitesse de l'éclair dans les rues de Serein. Il se ment la constellation, l'interrogation. Diplômé de l'Université de Liège en sciences et biologie, Guy Matteau, comme il nous l'a déjà dit, s'est tourné très jeune vers la politique. Secrétaire national du Parti socialiste dès 1968, à l'âge de 27 ans, Guy Matteau a été aussi bourgmestre de Serein, député, ministre des Travaux publics et des Affaires wallonnes, ministre de l'Éducation nationale, vice-premier ministre et ministre du Budget, sénateur provincial et national, ministre des Affaires intérieures, des pouvoirs locaux et des travaux subsidiés du gouvernement wallon. Et en 1994, il subit une levée de son immunité parlementaire pour le dossier Agusta. Par la suite, totalement blanchi par la justice de toute accusation, c'est en 2000 que Guy Matteau redeviendra bourgmestre de Serein, puis président de la Fédération du Parti socialiste de Liège. Ce parcours remarquable n'ira pas sans de nombreuses embûches et agressions venues de ses ennemis politiques. Mais Guy Matteau ne sera jamais condamné. Et comme tout innocent, il sera blanchi de toute accusation. Et à vous répéter, avec simplicité, mais avec force, que je n'ai absolument aucune espèce d'implication dans ce dossier. C'est de la pure affabulation, c'est du pur mensonge. Monsieur Matteau, vous connaissez l'objet de votre convocation ? Non, mais... Le carrelage. À mon avis, c'est le carrelage, en effet. Dans le dossier Agusta ? Comment ? Je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas la cellule call. Qui raconte ça ? Qui disent-ils ça ? Qui disent-ils ça ? Qui disent-ils ça ? Bien entendu, écoutez, bon, il faut le dire les choses avec simplicité, et ça ne va pas leur faire plaisir. Un certain nombre d'enquêteurs de la cellule call, c'est évidemment parce qu'il fallait me discréditer, qu'il fallait trouver quelqu'un, un bouc émissaire. Votre stratégie de défense va changer ? Non, je n'ai pas plus de culpabilité aujourd'hui que hier, il n'y a évidemment pas de problème. C'est un problème de caractère politique. Si toutes les personnes qui ont été embêtées par André Coles devaient avoir, je dirais, participé d'une quelconque manière à un complot, la moitié de la ville de Liège serait concernée. Il faut tout de même rester un peu sérieux. Ce n'est pas parce qu'il y a des divergences de vues sur le plan politique, ce qui est bien normal dans la vie, que l'on doit assimiler ça à des volontés de règlement de compte. Et pour ce qui me concerne, j'ajouterai encore une dernière chose. Parce qu'on a raconté, on a affabulé à ce propos. Certes, dans certaines circonstances, il y a eu l'un ou l'autre problème, mais je n'ai jamais été écarté de quelque manière par André Coles.
que je fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Ma première réaction, c'est que mon père, en ce qui me concerne en tout cas, un ami, je dirais même un frère, nous connaissons depuis plus de 30 ans et nous avons toujours des relations d'amitié et de fraternité exceptionnelles. Deux épicuriens avec des bons et des mauvais moments, mais toujours une fidélité l'un pour l'autre. Et à titre personnel, je lui suis reconnaissant sans borne pour cette amitié, cette fraternité qu'il a bien voulu m'apporter, comme il en a apporté à beaucoup. Et je retiendrai que pour la ville de Sorin, évidemment, c'est une perte inestimable, c'est incalculable. C'est, qu'allons-nous faire après ? Quel souvenir garderez-vous de lui en tant qu'homme politique ? Bien, en tant qu'homme politique, d'un homme de consensus, d'un homme à l'écoute des autres, un homme de terrain, proche du citoyen, mais ce n'est pas un vain mot. Il était vraiment disponible pour l'ensemble de la population, et quelles que soient les qualités, les grades, tout ça ne le préoccupait pas. C'était l'être humain qu'il plaçait au-dessus de tout. Et évidemment, il était très proche des plus défavorisés. Il en a donné la preuve en créant énormément, même parfois sans apparaître, en créant des associations qui aidaient les plus démunis. Il a fait beaucoup pour Sorin, pour les ouvriers. Il a travaillé pour mon jeune homme quand il a passé ses examens. Chaque fois qu'on le rencontrait dans Sorin, il nous serrait toujours la main, même à mon époux et à mon garçon. Hein. Mon garçon travaille à la ville de Sorin. Alors je dis, on va rendre un hommage à M. Matteau. Ce n'est qu'unis et forts que nous parviendrons à atteindre les idéaux qui marquèrent la vie de Guy. Plus de justice, plus de bien-être, plus d'immunité, plus de bonheur enfin pour tous. Lumineux, rassembleur, entraînant, il faut avoir vécu ces moments d'émotions intenses, spontanées, non calculées, des Sérésiens. Les hommes qui ont travaillé pour toi savaient que tu travaillais pour les plus démunis, pour plus d'égalité, pour plus de fraternité, pour plus de liberté, pour plus de solidarité. C'est cela qui faisait leur fierté, c'est cela qui l'a fait encore aujourd'hui.